Madame la vice-présidente, mesdames, messieurs, chers collègues, concernant le musée du tissu, mardi 15 octobre 2019, à 13h38, nous avons reçu par mail la convocation du jury de maîtrise d'œuvre présidé par M. Laurent Wauquiez. Le 15 octobre, soit trois jours avant que le rapport de la plénière vous désignant comme président du jury ne soit voté. Alors certes, votre désignation est de droit, Monsieur le Président, et elle ne fait aucun doute à l'intérêt légitime que vous portez au sauvetage du musée des tissus, et nous partageons cet intérêt, se joint la visibilité et même la publicité que permet un tel dossier qui parle au cœur des Lyonnais. On vous voit d'ailleurs moins empressé à présider les jurys de maîtrise d'œuvre quand il s'agit de lycées, par exemple. Pourtant, ce n'est pas subsidiaire la construction d'un lycée dans la vie de la cité. Ainsi, Monsieur le Président, permettez-moi de vous faire remarquer que la courtoisie démocratique aurait dû vous conduire à attendre le vote de l'Assemblée pour envoyer ce mail, de même que la courtoisie vis-à-vis de votre vice-présidente de la culture aurait voulu que vous l'informiez de l'achat du château d'enfance de Saint-Exupéry, afin qu'elle ne l'apprenne par la presse en pleine commission. Bref, vous pourriez au moins faire semblant, Monsieur le Président, de ne pas vous moquer de vos élus, en quelque sorte. Par principe, je demanderai à mon groupe à voter l'abstention, malgré que ce magnifique musée est capital pour les valeurs artisanales de notre passé, de notre belle région Auvergne-Rhône-Alpes, pour les Lyonnais, les Lyonnaises et bien au-delà de notre pays. Je vous en remercie. Merci, Monsieur Dulac. Peut-être quelques...